Fait qu'aujourd'hui, il fait pas beau, mais je sens qu'on va avoir pas mal de fun. On est venu repartir le XX, puis ça a l'air que tu vas nous montrer de nouveaux talents. Ouais, un beau petit jouet, là, ça va être le fun au bout. Ça va, ouais. Les gars, vous allez triper à mort. C'est fort. La dernière machine, tu nous as fait essayer, on a trippé, fait que j'imagine qu'on va triper encore pas mal. Ouais, peut-être un petit peu moins, c'est moins hyper sport que l'XX, okay. Que vous avez promené. C'est plus une machine pour monsieur tout le monde. Ouais. Sport, quand même très sport. Ouais. Mais j'allais adorer. La transmission des CT, là, ouais. C'est ça coche. C'est encore une fois, pas de courouette. Pas de courouette. Pas de courouette, donc. La fiabilité, on n'a pas à s'inquiéter de 100 centimes. C'est la douceur de transmission. C'est presque aussi doux qu'une transmission courouette. OK. Mais pas de courouette. C'est bon. Merveilleux. On va aller voir ça. Il est ici à côté dehors. Excellent, tu es. Mes premières impressions, c'est que t'es super bien assis là-dedans. Moi, je suis pas grand, puis je peux m'avancer encore plus. Fait que pour que ce soit une dame ou un monsieur, ça va super bien. Les modes sport manuels, c'est super. Tu peux rouler, tu dis « Ah, je veux un peu plus sportif, on va l'essayer, c'est super le fun. » Tu peux le mettre en mode tout automatique, tu t'en vas avec ça, ça s'en va tout seul. Les rapports d'embrayage, ça change tout seul, ça va super bien. Et puis, j'ai rien à dire contre cette machine-là pour les prochains kilomètres. Fait que, on va voir notre petite balade un peu plus loin, qu'est-ce qu'on est capable de dire. Il trouvait un petit défaut au moins, là, jusqu'à là. Jusqu'à là, j'aime bien ça. Le confort, la transmission, tout ce qu'on peut, on a parlé tantôt de la machine. Fait que, t'avais-tu quelques petits points à dire à nos auditeurs sur la machine, les grosses lignes? Ben, en partant, Moto GMF, juste pour une dimension, on doit être probablement parmi les seuls qui ont des démonstrateurs à faire essayer. Oui, oui, c'est vrai. C'est ici, là, nous autres, le talon, on l'a à faire essayer. On a le sentier qui part en cours aussi. Ouais. On a une Grec XZ si vous voulez essayer. Ouais. On a le Wildcat XX si vous voulez l'essayer. Ouais. CF Moto, Z Force 1000, on a le, après ça, Wolverine X4, on a ça aussi en démonstrateur. Fait que vous voulez essayer un côte à côte, la place, je pense, là. Ben pas je pense, je suis certain, c'est Moto GMF. Ouais. Le talon, ce qui est le fun, c'est que on en a. On en a commandé, donc on en a en vente, disponible immédiatement. On en a qui rentre encore le 15 de mai, quand on a une bonne batch qui rentre encore. Puis on en a de cédulé à tous les mois, fait que. Les talons, si vous voulez l'avoir, il y en a chez Moto GMF. Ouais. Écoute, la machine, tu l'as essayé. Ouais. La transmission des CT, ouais, c'est efficace, ça fait le job. C'est ça. Tu as le bas de sport, tu as le modèle automatique, manuel, c'est complet. Ouais. Le moteur est doux, le moteur est performant. On a fait des tests d'autres de performance. Au point de vue performance, ça se compare. Je te dirais presque à 100% avec les grecs qui disaient de Yamaha le 1000. Oui. Ça roule 123 km d'une planche, chaque fois qu'il y a une coupe feu là. C'est, il ne monte pas, il monte pas plus haut, c'est pas parce qu'il n'est pas fort, c'est qu'il est coupé là, il est coupé à 123. Oui. Toutes les marques sont coupées de 120, entre 120 et 125, puis il est coupé à même place, puis il monte aussi vite que les autres. Oui. Suspension, ben, les QS3. Oui. Tout le monde commande. Aujourd'hui, on connaît toutes les QS3, que les trois clics, que ça va être extraordinaire. Facilement ajustable. Facilement ajustable. Tu n'as pas 8 vis, puis 3 disprimes, puis ainsi de suite. C'est la simplicité. On trouve son confort facilement. Puis c'est efficace. Oui. Donc, quoi dire de plus, le talon, c'est. C'est une belle machine à découvrir. Puis que... On a été très agréablement surpris. Tout le monde avait peur de la performance. Puis finalement, performance, l'accélération, c'est assez dur à battre. Peu importe la marque, là, ouais. C'est dur à battre pour l'accélération.
top speed, ben, c'est 123 km/h. C'est très suffisant. C'est très suffisant pour le sentier. Fait que, quoi dire de plus? C'est un Honda. Pas de courant. Pas de courant. Fait que, sur le mot de la fin, on est bien content d'être venu. Puis, c'est pas pour rien qu'il y a des clients de partout dans le Québec qui viennent ici. Oui. On les réfère fortement, même dans le côté François. Ouais. Donc, on est des passionnés. De côte à côte chez nous, c'est la passion de toute l'équipe, des vendeurs, tout le monde. On est des passionnés de côte à côte. Oui. En particulier les sports, mais on est passionnés de côte à côte. Fait que, comme de rien, Thibault, ben, je te remercie super gros d'avoir été aujourd'hui. On s'organise pour vous aller en ayant un talon bientôt. C'est parfait, fait qu'on va revenir, ça c'est sûr. Puis, à une prochaine, ça fait plaisir. Un gage de qualité.